Qui a gagné alors, Valls ou Hamon? Je sais pas. Quoi? Mais c'était pas le jour le plus important depuis le 10 mai 81, je sais pas quoi là? Oui, bah c'est Hamon là, mais attends, je voudrais voir ce qu'ils disent de Fillon. Tu sais qu'en fait, ces deux enfants, ils étaient pas du tout avocats quand ils les ont employés, hein. Bah alors, puisque tu t'en fous, je peux les enlever les posters de Benoît Hamon qui sont accrochés dans le couloir? Qui ça? Benoît Hamon, le mec dont tu me rabâches les oreilles depuis 4 mois, là, celui dont on ne peut pas dire du mal en ta présence sous peine d'être condamné à mort. Oui, non mais là, je voudrais voir la tête que fait Fillon, là, celui qui voulait faire bosser les fonctionnaires 39 heures payés 37, alors que sa femme a bossé une matinée payée 7 ans. Oh oui, cette pauvre Pénélope, on la harcèle, alors que je suis sûre, moi, qu'elle était même pas au courant. Mais justement! Allez, là, on s'en fout du discours de Valls, là, voilà, je voudrais qu'il découvre des trucs, là. Je voudrais qu'il nous dise que Fillon, en fait, avant, c'était une femme, que ses sourcils, c'est des implants, que c'est lui qui a truqué les élections américaines pour faire élire Trump. Je veux qu'il pleure! Mais calme-toi, c'est quoi cette haine, là, mon chéri? Je croyais qu'à gauche, on aimait tout le monde. Oui, tout le monde, sauf Fillon, hein, lui qui a dénoncé l'assistanat, à part l'assistanat parlementaire, visiblement. Et tu sais que la femme de Benoît Hamon, elle a un gros poste chez LVMH. Ça ne fait pas trop, ça, pour un mec de gauche? Oui, bah au moins, ça lui évitera de trouver un emploi fictif. Bah, dis donc, ta haine, elle est pas fictive, toi. Mais qu'est-ce qui t'a fait, François Fillon, à toi? Rien, personnellement rien. En tant que prof d'histoire, j'étudie les chiffres, les faits, voilà. Et en tant que prof d'histoire, eh ben moi, je travaille vraiment 40 heures par semaine, mais pour une misère. Ah, donc en fait, ce qui te dérange, c'est que Pénélope, elle avait un travail fictif pour un salaire réel, alors que toi, t'as un travail réel pour un salaire fictif. Voilà. Donc en fait, t'es jaloux. Voilà.